いやー、こんにちはね、調子どう？エキノックスを支えてくれて、ありがとう。Yo, salut tous, c'est Equinox, j'espère que vous allez bien, les amis. On est de retour ce soir sur Persona 5 Royal Edition sur PC, toujours en qualité maximale, voix japonaise. On a terminé l'arc non royal du jeu, le jeu classique. On a éliminé le boss de fin. L'incarnation, plutôt pas la réincarnation, mais l'incarnation de tous les péchés humains. Voilà, on l'a éliminé grâce à notre superbe Arsène, hein, qui s'est transformé en démon justicier. C'était incroyable. C'était incroyable toute cette scène. Et le combat était vraiment fun aussi. On a commencé l'arc suivant, donc la partie royale, avec les personnages supplémentaires. Déjà, on a vu qu'une partie avait été modifiée, puisque Golo prend notre place pour témoigner contre Shido. Du coup, nous n'allons pas en prison. C'est plutôt cool. On y va, hein. On est reparti, les amis. Salut Héloïse. Tu vas bien, tranquillou, comme d'habitude. Bah, c'est plutôt cool. On regarde notre Queen Queen passer par la fenêtre et notre demoiselle à plumeaux, parce qu'elles sont tellement magnifiques, ces demoiselles. Faut pas se priver, hein. On est arrivé à 133h56 de jeu. On s'est quitté hier soir où on commençait. On avait passé la journée suivante. Hein. On avait fêté Noël avec toute la troupe. Sae était là. Et puis, la journée venait de passer. On avait passé un très beau moment aussi du 24 au soir avec Hifumi, enfin. C'est plutôt cool. Allez, on continue. Donc on arrive directement au 30. 30 décembre. Pipi. Alors, il ne reste plus qu'un jour avant la fin de l'année, oui. On en était là. Je sais que c'est précipité, mais on organise une fête de nouvel an. Ça déchire, tu m'étonnes. C'est toi qui organises ça, Ftaba. C'est gentil de nous inviter. Sochiro va faire des nouilles. Dans ce cas, oui, bah, y a pas de problème, on se rejoint dans la soirée. Est-ce que tu peux inviter ta sœur? Oui. Sans problème. Oui, la salle est réservée. On pourrait peut-être inviter Yoshizawa aussi. Ok? Morgana, Ftaba y ont pensé. Elle a vraiment aidé. Bah, elle a aidé parce que c'est elle qui nous a sauvés, hein, finalement, dans le palais. Lorsque l'on s'est échappé du palais de Sae, hein, du casino. Comme c'est le nouvel an, elle aura certainement pas l'entraînement. Tout le monde est d'accord, bon, c'est moi qui me charge de l'organisation, nous dit Ftaba, pas de problème. C'est à moi de la contacter. Je m'en charge. À demain, pas de problème. Ah, Moragana, elle est revenue parmi nous, en forme de chat, mais je crois qu'elle regrette plus de pas être humain. Hifumi, j'aurais bien invité, mais elle n'a pas le droit, apparemment, on peut pas. Bah, écoute, c'est triste, hein. Honnêtement, je l'aurais vraiment invité, hein, je veux dire, c'est une fête de fin d'année et tout, quoi. Kasumi, elle est là. Ah oui, bah tous les autres aussi, hein, pourquoi pas, hein. Takemi, Ohaya, et puis, oui. Même notre ami qui tient le site, hein. Notre site de fan. Il aurait dû être là aussi, hein, Mishima. Mais bon, c'est réservé vraiment aux voleurs fantômes, quoi. J'allais dire à ceux qui leur sont proches, puisqu'il y a Sae, mais Sae, on a fait un pacte avec elle aussi. Elle est là, donc oui, on aurait dû avoir les autres. Ouais. Salut là, elle, comment vas-tu? C'est vrai. Elle a bien sens, ça n'a pas lieu d'être. Oui, on a vécu des choses de dingue. Hein. Ouais, c'est vrai qu'elle m'a aidé, elle m'a sauvé. Hein. Et ben voilà. Kasumi. Tu m'étonnes. On l'a tous eu, hein, son écharpe absolument colorée. Je suis pas certain qu'il la regarde parce qu'elle lui plaise. Hein. Je l'ai vu alors que je gambadais en ville, j'ai craqué. Tu m'étonnes. Elle est ta récompense de fin d'année. Ouais. Tu vas bien là, Elba, c'est cool. On va dire qu'elle te va très bien. Parce qu'elle, à lui, elle lui va bien.
Moi, je la mettrais pas, hein. Je pense pas. Mais à lui, elle lui va bien, hein. Coloré et tout ça. Voilà, elle est faite pour toi. C'est tout à fait ça. Les nouilles. Itadakimasu. Sugoi. C'est vrai qu'on voit Ken, hein, l'écharpe. Hein. Elle est en plus en premier plan. Hein. Celle qu'on voit le moins, c'est Sae, hein, toujours en noir. Veste noire, tailleur noir, pantalon noir, chemise noire, cheveux presque noirs. Oui, c'est lui qui a préparé les nouilles. Bah, j'imagine, pardon, que... pardon. Que Kasumi va en reprendre, hein. Excusez-moi. Parce que Kasumi, elle est... Elle mange pour 4, hein. Voilà, onegaishimasu. On se vende, hein. Tu m'étonnes. Elle est insatiable. Elle est insatiable. Pourtant, elle est toute mince, hein, bah oui. En même temps, elle mange des bento pour 3 personnes. Un appétit tout à fait normal, bien sûr. Après 2 semaines de silence, le bureau du procureur va faire une annonce. Shido va être jugé pour ses crimes. Enfin. On le doit au témoignage de Golo, hein. Elle a une bonne nouvelle à nous annoncer. Vas-y, annonce. La femme impliquée dans les fausses accusations envers Eki, elle nous appelle Nox, hein, a enfin décidé de raconter la vérité. Donc on va être peut-être blanchi. Ça reste à confirmer. Ça doit vraiment pas arriver souvent, ça, au Japon. Hein. Oh la vache! Ça, c'est une bonne nouvelle. Oui, c'est confidentiel, t'inquiète pas. Bon, voilà une bonne nouvelle, ouais, tu m'étonnes. On a sauvé le monde, tout le monde va mieux, et en plus, je vais peut-être être blanchi. L'année commence bien, ouais. Acteur séduisant, lol. Akinome Takunai. Le mauvais mot, un asiatique blanchi, ce n'est pas... Oh, pff. Il n'est pas asiatique, il est télécaster. D'ailleurs, on pourrait dire que... Dans l'idée, hein. Sae, elle pourrait faire un peu asiatique, ouais. Les autres, pas vraiment, quoi. Ils sont pas typés, quoi, du tout, hein. Bon, Miss Anne, c'est normal. Elle est américaine. Elle est américaine. Malagana, c'est pareil. Elle fait pas asiatique du tout pour un char. On t'entend, hein, Morgana. Peut-être que Igor, il pourrait transformer Morgana en humain, non? Ce serait cool.
改めて考えると今年はマジでいろいろあったな。うん、本当、何年分の人生経験だって感じ。Oui, c'est pour éviter d'être mis en catégorie comme le fait Louise, hein, tout de suite. Non, Yusuke, il peut faire aussi, quand même, assez teint, un pâle assez, assez blanc. Ils aiment bien, surtout les demoiselles aiment bien se blanchir aussi. Les yeux, quand même, ça est plus présent chez Yusuke. Sojiro aussi. Ça y est aussi. Mais c'est vrai que sur les autres, un peu moins, je trouve. Ouais. J'espère qu'il a raison quand même. Ouais, je suis pas sûr quand même. Non, Makoto aussi finalement. Non, mais non, finalement, j'ai dit une connerie. Bah oui, il change pas. Oui, les grands yeux, c'est pour les émotions, c'est comme, ouais, ils sont toujours surjoués, mais c'est normal. De toute façon, ça passe par le chara-design, hein, ça passe par le côté cheveux. Et le côté couleur de vêtements, très clairement. Oui. Ça leur donne une forme de caractère. Exactement, oui. C'est ça. Je veux dire, on le voit à sa tenue. Que Miss Anne, elle est cool et dynamique. Que Makoto, elle est studieuse. Que Futaba, elle est un peu geek sur les bords. Que Yusuke, il est smart et un peu étrange. Ça se voit au premier coup d'œil. Je veux dire, c'est... On les identifie, oui. Mais j'aurais bien quand même aimé que Ifumi, elle soit là. Ifumi, elle fait très typée aussi. Hein. Pour ça, peut-être que j'aime beaucoup. Bah oui, on passe un bon moment quand même. Des jeunes sont réunis à Shibuya. Tu dois y aller déjà, ça y est. Oh, t'es trop sérieuse, hein. Non, voilà. Allez, l'année prochaine. Pour de bonnes choses, hein, quand même, les procureurs. Hein. N'oublie pas les haricots noirs. Et gentil, Sojiro. Hein. Ah, qu'est-ce qui se passe? Pipi pipi, qui m'appelle? Bonne année. Merikulijimasu. C'est déjà la nouvelle année, bah oui. Ça va être une super année. Ça passait à une vitesse, tu m'étonnes. On va avoir fini le jeu, 140 heures, et pff, une année de passé, quoi. Encore marqué le coup, non, mais on vient de faire une bouffe, déjà, là. Le plus gros mangeur de mochi. Un truc du genre. C'est juste super qu'on soit ensemble, bah oui. Pas demain, en revanche, je serai prise. Ouh, qu'est-ce qui se passe? Bonne année, bah oui, ça va être plein de surprises. Hein. Et toi, Moragana? Vas-y, ça restera entre nous. La chose, je me suis volatilisé, pardon, désintégré, hein, évaporé. J'étais vaguement conscient. Oui. Savoir que j'étais séparé de vous me terrifiait. On n'avait pas l'impression, mais ça se voyait quand même. Hein. Ouais. Mais elle en a vécu des histoires avec nous. Hein. Tu m'étonnes. Nous aussi, ça nous a fait triste. Enfin, moi, j'étais triste de la voir partir comme ça. Là.
C'était Volcana, quoi. Elle était là depuis le début. Hein. Reste avec nous pour toujours, mon ami. Bah, carrément, même. Ah, puis on sait quelque part qu'elle a des... Je sais pas comment... Ah, triste, mais une belle fin épique, oui. C'était vraiment épique, tout ce qui s'est passé, ce qu'elle nous dit, ce qui se passe, mais c'était triste. Hein. Ah, c'était pas facile. On sait que Morgana, elle a un bon fond, quelque part, on peut le dire comme ça. Hein, parce que elle a été créée à partir des derniers élans positifs de l'humanité. Mais il n'y a pas de raison, mon ami. Bon, qu'elle dorme à côté, par contre, parce qu'elle est lourde. Salut Didier, comment vas-tu? Oula. Pourquoi je suis en prison, là? Oula. Non, je suis dans le bureau de... Ah, c'est là où on faisait les bilans avec... comment il s'appelle, déjà? Le consultant. Waouh. Maluki, c'est ça, Maluki. Oula, 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 c'est pas bon ça. Qu'est-ce qu'il nous fait, Maluki? Maluki, il est en train de faire des insanitaires là. Parce que c'est son bureau. C'est Maluki ou c'est Golo? Non, ça peut pas être Golo, hein. Qui c'est qui parle, là? Oula, c'est quoi, ça? Encore un papillon? C'est pas possible. Qu'est-ce que c'est ça? Où est-ce qu'il m'emmène là? Non, non, j'entends tous mes amis. Igor et Lavenza, tu crois? Tu aurais besoin de mon aide? On l'avait pas revu, lui, hein. Il nous avait dit, en plus, on s'en reverra. Et puis, pourquoi ils auraient besoin de moi, Igor? Igor, c'est un dieu, presque, maintenant. Puisqu'il parlait aux dieux. Bon, il avait réussi à être capturé, quand même. Attention. Oula, 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 oula. Bah, je rentre chez moi. Tu refuses de voir les choses à ma façon. Oulala. Là là. On se reverra. Ouais, c'est ça, c'est Maluki. C'est Maluki, ça. Jour de l'an. Plup, 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 plup. Premier, premier, avec des fleurs. Allô? Ouais, oui, gozaimasu. Non, non, je dormais pas, j'étais réveillé, levé et tout. J'allais me coucher. Je suis debout maintenant. Mais non, tu m'as pas réveillé. Je me souviens de ce que tu m'as promis qu'on irait ensemble au sanctuaire, oui. Presque. Je dis quoi, presque? Pas de problème. J'ai déjà hâte. Soyons positifs. Hein. Il va y avoir du monde, ça devrait aller dans l'après-midi.
va s'en sortir, je pense, hein, non? Je pense qu'on va s'en sortir, hein. On va s'en sortir. J'espère que ça comptera pas comme vœu. J'ai pas encore fait mon offrande. Loula. Non, non, je leur pose, Sojiro. Bah, pas de problème. Tu pourrais me donner un coup de main? Ouais, ouais, j'arrive. Voilà, pourquoi ça bouge l'image là? Bah, carrément, ouais. On est toujours ouvert pour vous, messieurs, dames. Ouais, comme partout. Si, je vous cuisine à plat si vous mangez, vous réglez l'addition. Eh, c'est l'acteur? C'est Morgana? Qu'est-ce que c'est ce bordel là? C'est Morgana? Elle a les yeux bleus? C'est Morgana. Elle a les yeux bleus, elle rêvait de ça. Elle a le poil noir. Enfin, il a le poil noir. Les yeux bleus. Et il parle comme Morgana presque. Waouh. Garçon viril. Excusez-moi, qui êtes-vous? Non, c'est Morgana ça. Hein. Je rêve pas. Excusez-moi, qui êtes-vous? Enchanté de vous rencontrer. Enchanté. Qu'est-ce que tu racontes? Mais c'est ça? Qu'est-ce que tu racontes? C'est Morgana. T'es pas encore réveillé? Si, c'est ça, c'est sûr. Hein. Waouh! Waouh! Elle a la classe, F-Taba! Certainement à cause de l'image, ouais, la réalité a bugué. Je pense que c'est... Ah, j'ai compris. C'est une réalité pervertie. Et... C'est... Maluki. Ouais, je suis sûr que c'est ça. Elle est super, bref, tabac. Elle est super, comme ça. J'ai choisi avec ma mère, bah oui. Ah, ça va pas là. Ah, et Maluki nous fait un truc à l'envers. Ah ouais, ça va pas le faire là. Ouais, donc ça c'est bien Morgana. Et je pense que c'est Maluki qui commence à déformer la réalité pour aider les gens. Parce que lui, enfin, Morgana, elle voulait devenir humain. Elle l'est. Futaba, elle a sa mère. Ça va pas. Hein. Je suis désolé, je pense que je vais arriver plus tôt que prévu. Il y a moins de monde que je pensais. Est-ce que mon vœu s'est réalisé? T'as eu de la chance, peut-être bien. Je t'attendrai à l'entrée. Pas la peine de te presser. Oui, j'ai prévu quelque chose, mais je pense que ça va cafouiller là. C'est un truc du genre, je pense. J'ai une promesse à tenir. Ouais, je vais mettre les gants de... que m'a offert Hifumi. Hein. J'ai pas vu Morgana, mais si, elle est devant.
Mal'Gana, elle est là. Je suis sûr, hein, c'est ça. Hein. Non, non. Mmh. Ah, elle est jolie, hein, mais je préfère Futaba. Hein. Ah ouais, non, 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 oula, qu'est-ce que c'est tout ça, là? Ouais, pourquoi il n'y a personne? Pourquoi il n'y a personne? Parce qu'elle a souhaité qu'il n'y ait personne. Ah, Hifumi, bah oui, Hifumi, mais elle est pas là. Elle est pas là. Ah, j'aime beaucoup Hifumi, oui. Oui. J'ai pas choisi pour rien. C'est une sacrée coïncidence, bah oui. C'est très bizarre, ça. Hein. C'était juste que je vous ai pas vu. Oula. Bah, on était ensemble hier. Makoto aussi, elle est jolie. Hein. Regardez, Haru. Ouais, enfin, c'est pas une coïncidence. Hein. Hmm. Oh, il étudie. Il étudie, t'inquiète, c'est normal avec lui. Encore manger? Ah bah tenez, ils sont tous là, et son père aussi. Ah ouais, ouais, non mais c'est ça, on est dans la réalité de perverti, et je pense que c'est Maluki. Nous on comprend rien. C'est les vœux de chacun, hein, les ressentis positifs de chacun, et ça se réalise parce que non, c'est trafiqué. Il y a un truc qui va pas. Avoir du succès avec les filles. Lol. On va dire être en bonne santé. Oui, mais je pense que c'est important pour que le reste suive. Hein. Et toi? Elle voulait m'attraper? Non, je pense pas. Hein. Tu devrais y aller, on se reverra bientôt du coup. On se reverra bientôt? Merci. Ça me plaît pas là ce qu'on voit. Enfin si, elle est jolie, hein, mais ça me plaît pas.
Kochirawa. Senpai. Mani Hanasta. Osewani Natel Gakono Senpai Dayo. Kimika. Konoko Kara Itsumo Hanashiwa Kiteirio. Ah bon? Bonjour. Otosa Itsumo te. Honto no koto daro? Kore mo kimi ga erande kuretan datte ne. Ah oui, oui, les lunettes. Imasara dakedo, arigato. Arigato. Les lunettes rouges achetées pour l'anniversaire. Oui, elles sont là, c'est ça. Ça vous va bien? Otosan, sore, ie demo shokuba demo kakete iru ndesu. Kini itte iru kara ne. Sore ja, watashi tachi wa sorosoro ikou ka. Shinichi, yoshi devo. Oh! Ça vient de reflasher. Ça vient de reflasher. Oula, 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 oula. Et on va voir Mona là. Ouais, donc Maluki il est en train de faire des insanitaires. C'est aujourd'hui qu'on fait notre premier rêve de l'année, ouais. Je crois que c'était l'année prochaine. Je veux pas que ce soit un cauchemar, lol. Ouais, 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 mais là, ça va pas, là. Ah, oh, trop chouette, regardez ça, comment elles sont jolies. Le hasard a voulu qu'on se croise, bah voyons. C'est une très belle photo, ouais. Beauté singulière. Le rouge. Ouais, il est beau, ouais. Ben, je trouve que les quatre sont chouettes. Ils ont chacun leur style. Hein. Mais les quatre sont chouettes. Cet après-midi, là, ouais, y a un problème, ouais. Faudrait que je contacte Igor. Je peux toujours pas aller voir Kifumi. Hein. Une légère brise sur mon visage. C'est le chat? Sam, nanda yo, doushita? Eh, je vous l'ai dit, c'est ça, hein? C'est Morgana. Qui êtes-vous? Dare tte omae? Nanka omae kinou kara hen da zo. Je vous l'ai dit tout de suite, hein, l'avait reconnu, son visage, tout. Et sa voix. Et sa mère, elle est là. Oh là là, ça va pas là. Hein. Ohayo. La femme sphinx, ouais, c'est ça. Ça va pas, hein. S'est-on déjà rencontré? Ce monde, il est pas normal, ouais. Non, ça ne va pas, non. Ohayo, Mona. Ohayo, Mona. O
Morgana? Non, ça va pas du tout. C'est un mélange de tout ce que chacun veut, quoi. Et Colo, il est là. Ouais, toi aussi, hein. Lui aussi, il a vu qu'il y avait un truc bizarre. Mais personne le connaît à part nous. Oui. Tu te souviens? Colo. Je reviens, hein? Qu'est-ce que tu fais là? Ah oui. Bah oui. あ、それはまだ。どう考えても異常だよ。あんな事件の実行犯を事情聴取だけして釈放なんてありえない。けど Morgana ou Akaba, les deux, quoi. Puis lui transformé. Que ferions-nous? Je pense qu'on a un nouvel ennemi. Oui. Oui. Je suis assez d'accord. Oui. Je crois que je n'ai pas le choix. Qu'est-ce que je dois faire? Je n'ai pas le choix. Oui, on a besoin de lui, là, très clairement. Tout le monde déraille. Mona déraille, tout le monde déraille. Sido no Paris de Bokto Akarete Karano Koto.
なるほどね。片鱗があったとはいえ、明確な異変は年明けからか。怪盗団の連中も疑問を持たず、今の状況を幸せそうに生きてる。Ouais, c'est parce que nous, on est le télécaster, on est différent. Et c'est pareil avec Akechi, il a été créé exprès pour être la partie négative, finalement, de l'humanité. Calme-toi. Elle aussi, elle voit le monde là qui commence à dérailler parce qu'elle a basculé, comme nous. J'arrive. On y va. Ouais, il y a un truc. Tu entends des choses. Elle, ouais, non, on va partager avec lui pour l'instant. Ouais. Salut Judge, comment vas-tu? Ça me va. Pour l'instant, ça me va. Non, ça me va. Oula! Ah oui, il y a une distorsion. アケチさん、パレスか。面白いね。アケチさん、パレス知ってるんですか？彼と同じ力を持ってるって言ったらわかる？そうなんですか？じゃあアケチさんって言っておくけど、僕は怪盗団じゃないよ。でも今の会話で察しがつくってことは。 Tu peux lui dire. Oui, c'est vrai que c'était le palais en forme de parc d'attraction là, je sais pas quoi. On l'a pas compris. Il devrait plus exister, hein. Ouais, il va falloir aller voir ce qui se passe, hein. Il s'est manifesté dans la réalité, et en plus, ouais. Je suis d'accord. Ah, c'est plus la même icône, mais c'est de retour. Ça veut dire qu'il y a bien une entité. Hein. Le nom est censuré. Ah, il est blanc et il est plus rouge, ouais. C'est plus la même icône, hein. Ouais, il arrive à corrompre la réalité. Ça veut dire qu'il va nous falloir trouver une autre solution. Bien sûr.
気になってることがあるんです。足手まといにはなりませんから。君はどうする？C'est l'heure de s'infiltrer. 決まりですね。じゃあ、行くよ。行くよ。改めて見ると不思議な場所ですね。ouais ouais ouais, il a changé en plus. なんなんでしょう。ここの主がさっきの場所をどう思ってるか次第だね。Et son masque s'est réparé à lui. ま、進んでいけばわかるよ。そうなんですね。Faut y aller, ouais, Kasumi. ところで、その。どうかした？いえ、なんというか。Regarde ta vraie tenue, c'est ce que tu... Mais c'est quoi la question là? Comment dire? C'est quoi le truc là? Je comprends pas. Je comprends pas la question là.Alors c'est ce que tu portes, regarde ta vraie tenue. Elle parle à qui là? La tenue d'Akechi, c'est ce que tu portes, ouais. Cette tenue, oui. Je captais pas le truc là. Yoshizawa-san wa tomokaku, kimi no mae de imasara, seiren na tante oji o enjiru hitsuyou mo nai daro. Oui, on le sait.おしゃべりは終わりだ。行くよ。C'est Loki. J'avais pas compris. Ah, je sens qu'on va apprendre des choses là. Et je pense que c'est Maluki. On est bien dans un passé, dans un palais, hein.Ah bah on va l'ouvrir, tiens. Il nous refile des trucs parce que... Ah ouais, j'ai pas refait de café, j'ai rien quoi. Oh, on est à Walpé, hein. Oula. C'est différent, là. On dirait des trucs médicaux. Ouais, c'était par là-bas. On va checker un peu ce qu'il y a là, hein.On était grimpés là-haut, je crois. Qu'est-ce qu'ils font, eux? Quiconque vient ici pour trouver le bonheur. Ouais, c'est ça. Hein. C'est Maluki. Il avait promis le bonheur à tout le monde. Patient. Selon vos désirs personnels, vous serez guidé vers nos salles spécialisées. Nous aiderons chacun d'entre vous. Ouais, c'est Maluki. Tout le monde sera heureux. C'est quoi cet endroit? C'est Maluki. Il veut rendre tout le monde heureux en enlevant toute la tristesse et la souffrance. Mais c'est pas possible. Hein. Ça ne peut pas fonctionner comme ça.Ça ne peut pas. Hein. Sono sugata, kyusai o hossuru mono de wa nai na. Conduis-nous à ton maître. Tachi sare. Omae tachi wa nozomare zaru kyaku da. Aruji no kenkyu.Ça veut dire qu'il a réussi à pénétrer dans le subconscient collectif et créer un palais. Shadow の発言も主の思想のヒントだ。随分カルト的なことを言い出すんだね。Il a l'air fanatique, ouais. 悪いけど通してもらうよ。雑魚の相手してる暇ないんだ。なぜ自ら痛みへ向かう？
Ouais, 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 vouloir endurer sa propre souffrance. On entend un Maluki hein, dans ces mots. Mais oui, t'inquiète. Ouais, je fais confiance à Ketchi, hein, pas de conneries. Hein. Il est puissant, Ketchi, hein. On le sait. Hein. Et je me demande ce que ça va être. Hein. Ça faisait longtemps, tu m'étonnes. Ouais, faut pas le voir comme un gentil, Kasumi. Akechi, c'est pas un gentil, c'est un violent. Il est comme ça, hein. Mais là, il va nous aider. Qu'est-ce qu'on a? Défi... Oh, colosso. Grave. Affaiblissement. Dégâts d'armes sur tous les ennemis. 121 points de vie, la vache. Maudit élevé, c'est ça qu'il m'aurait fallu. J'en ai aucune idée, les amis. Je les connais pas, Macabre, alors on va faire un petit coup de Megadrone. Non, de l'absolu. Ah, ça leur a fait mal, hein. Ah, il est très fort, lui, regardez ça. Il nous aide, mais qu'adviendra-t-il une fois terminé? J'en ai aucune idée, Judge. Hein. Je sais pas. On verra. Qu'est-ce que je lui mets à lui? J'en sais rien, moi. Je nous protège, peut-être? J'ai quand même battu un dieu, les gars, quoi. J'ai battu un dieu. Qu'est-ce qu'il a comme arme? Ah oui, son arme laser impulsif. Montre-moi un peu ce qu'elle nous fait. Notre belle... Sandrion. Tu veux venir, toi? Ah, on va le péter. Parce que là, on est que 3 et on a personne avec nous, hein. Beauty and Devotion. Level up. Premières ombres. Bah, Akechi, voyons, tu sais de quoi on est capable, hein. Yoshizawa-san? Ouais. Ça lui rappelle Maluki. Hein. Ouais, carte. Malheureusement, oui. Oui, il est toujours comme ça. そうなんですね。はい。いつまでも喋ってないで進んだ方がいいんじゃないかな。容赦のない明智とでよければだけど。聞こえてましたね。 Ah, c'est ça, je pense qu'elle a pensé tout de suite comme moi, hein, Maluki. Hein. Médecin, tout ça. Enfin, ce saut est le bonheur, enlever le malheur. Vous voulez souffrir. On va prendre un peu d'XP. ...74. Oh la vache! Le diable. Ah bah oui. Un Dongan. Rampa.
Le diable, il doit être faible à la lumière, non? Cendrillon! On va faire un transfert sur moi. Peut-être le feu sur un ours en peluche, non? Ah, je m'en doutais, ours en peluche, hein. Les médecins qui combattent, c'est louche. Le médecin, il combat pas, il protège son palais, hein. Dans sa perversion, parce que c'est une perversion pour être à ce point-là. Toi, tu veux venir? J'ai pas le niveau, shit. J'ai pas fait. Ah oui, il est 74. J'aurais dû faire attention. My bad. J'ai pas pensé. J'ai été pris par l'élan. J'ai pas réfléchi. Ouais, 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 non, mais c'est ça, hein, très clairement, c'est ça. Hein. J'ai pas assez papoté avec les jumelles, ouais. Ouais, je sais, j'ai merdé, hein. Ouais, t'as une sensation bizarre, bah moi j'ai compris aussi. Hein. En plus, il y a des vestes blanches partout, regardez. Des vestes de médecins, hein, des petits de trucs de médecins et tout ça, là. Il y a des blouses dans le fond. Des blouses longues. Non, c'est ça. Hein. Très clairement, c'est ça. Hein. Alors là, on a un truc pour monter derrière. Bon, bah, on va aller là. Hein. C'est ouvert. Je pense que ce palais va se faire en plusieurs fois. Nanda. À moins que ce soit son père. Le chef. Non. Pourquoi il serait là? Ah non, bah oui, oui, d'accord. C'est quand il a perdu sa fille, sa deuxième fille. Et ça, c'est elle. Ah, sa sœur. Mais pourquoi on la voit là? C'est parce qu'elle en a parlé au médecin. Ça va? C'est pas clair. Hein. Elle doit se souvenir de quelque chose qu'il faudrait qu'elle oublie et on voit son père avec sa sœur dans un écran dans le palais. C'est lié à elle. Hein. Hmm.
Trouver le maître du palais, ouais. On lui prend quand même ses trucs, hein. Oula. Ça fait très couloir médical, ça, hein. Voix de test. Okay. J'avance comme s'il n'y avait pas d'ennemis, moi je fonce, hein. C'est grave, hein. Alors qu'on n'est pas nombreux en plus, hein. Oula. Qu'est-ce que c'est ça? Oui. Je sens que ça va pas être facile. Elle est toute seule. Tu t'épuises à rien là. Bah on peut pas reprocher quelque chose à Ketchi, c'est qu'il sait se battre, hein, parce qu'il nous a donné du fil à retordre quand même. Hein. On ne les connaît pas. Missionnaire de décadence. On sait qu'il est nul au bal. On va se mettre une petite porte. Lilith. C'est à cause de souvenirs que ses émotions la bloquent. Ouais, il y a un truc. Hein. Il va falloir lever ça pour aider le système. Hein. Donc ça marche quand même, ok. J'aime bien comment il hurle lui dans le machin là. Qu'est-ce qu'ils font eux? Les gars de la mort, ok. Moi je crains rien. Je crains rien moi. Je suis le maître des lieux. Bon toi tu vas mourir. Je ne sais pas. Ouais, mais je consomme beaucoup de PC là, hein, attention. Hein. On va essayer du nucléaire. Les balles ne font rien ou le physique? Les balles ne font rien, peut-être que le physique il marche. Mais on va essayer de les péter avec ça. Cendrillon! Ça marchera pas. Dégâts de la mort, je pense pas que ça lui fasse quelque chose parce qu'ils en ont. On va l'affaiblir un peu. Il est pas mort l'autre. Il est mort mais il est encore là, c'est bizarre ça. Il résiste au froid, ok. Il est fort au froid, nul à ça. Zandrion. Il
Level up. Yoshi. Level up. Orokana. Aruji no jihi o kobamu mono. Naraba miru ga ii. Ah, c'était pour qu'on lui parle. Il va y avoir une autre fille, une autre vision. Elle va avoir une nouvelle vidéo de sa sœur ou quelque chose avec sa sœur. Fille avec un chignon. Salut Grenier, comment vas-tu? Ma petite sœur? Bah, c'est, elle a dit que c'était l'autre, la petite sœur. Comment elle peut l'appeler sa petite sœur alors que c'était l'inverse? Donc, allez, d'accord, ok. Compris les gars. En fait, elle a un dédoublement de personnalité. En fait, enfin, c'est pas ça, mais elle voit sa sœur et en fait, c'est elle. Donc ça, c'est la vraie Kasumi. Et elle, elle s'appelle Sumire. Et elle s'identifie à sa sœur. Parce que c'est pas possible autrement, là. Hein. Ouais, c'est ça, regardez. Ça, c'est sa sœur. Et sa sœur, c'était Kasumi. Si tu persistes, tu trouveras le chagrin. Non, elle trouvera la vérité sur ce qui elle est réellement ou. Non, non, non. ようやく主のお目見え。はい、je pense qu'il va venir parce que c'est Maruki. Kasumi, ça va?Je pense que c'est pas Kasumi, hein. Je pense que c'est Sumire. Et qu'elle a pris l'identité de sa sœur parce que dans sa perversion psychologique, c'est ça qui la bloque en fait. Yoshizawa Kasumi. Ouais, non, non, il est comme moi, Kechi. Et là, il a un doute. Hein. Je l'aime pas, hein, Golo. Mais là, il a pas tort. Alors, on va se faire attaquer alors qu'il nous demande de descendre. Est-ce que c'est bien raisonnable? Alors que c'est lui qui nous demande de venir quand même, hein. Regardez, il est là. C'est qui? Ouais, c'est lui. Maruki. この場所に潜入してくるだろうってことは分かってた。けど本来ならこういう形で会いたくなかったよ。ああらら、mon ami。Je vais être obligé de te tabasser。C'est pas possible quoi。C'est Maruki。マルキ先生がパレスの主なんですか。Mais je peux pas te laisser perturber la réalité des gens quoi。
Ftaba, elle croit voir sa mère et tout, là, alors qu'elles sont mortes, c'est pas possible. Bien sûr que c'est en est la source. Bien sûr que c'est lui. Bah, il le dit en plus, ouais. C'est lui qui perturbe la psyché globale. Non, pas du tout. Et je pense que c'est ça, hein. Et c'est ça qu'il a fait avec Kasumi. Elle voulait être sa sœur parce qu'elle voulait être meilleure, et du coup, il lui a fait croire qu'elle était Kasumi alors que ça l'est pas. Parce que le truc, c'est que cette distorsion, elle n'atteint pas que la personne, elle atteint les autres aussi. Parce que quand on parle de la mère de Ftaba, je veux dire, Mona, elle la voit, Sojiro, il la voit, tout le monde la voit. Donc, quelque part, il transforme les souvenirs, oui, c'est un peu ça, et on croit que tout ça n'est pas arrivé pour perturber la réalité. Donc, ça perturbe la personne, mais ça perturbe les gens autour. Et ça donne l'illusion que... Comme là, je pense qu'elle a vraiment l'illusion, les autres la voient comme Kasumi, alors que ce n'est pas Kasumi, et que, etc. J'ai un pouvoir qui permet d'altérer la réalité pour qu'elle s'accorde avec les désirs des gens. Non, je n'aime pas ça, non. Elle n'est pas cruelle et injuste, c'est la réalité, c'est la vie. La vie ne peut pas être parfaite. Alors, elle souffre quand elle plonge dans son passé, mais c'est parce que tu le lui caches. À partir du moment où elle aura crevé son passé, qu'elle aura pris conscience de ce qui elle est ou ce qu'elle n'est pas, oui, elle aura mal, mais elle va passer à autre chose. Elle va évoluer, alors que là, elle évoluera jamais. Ouais, c'est ça, hein. Donc c'est lui qui l'a perverti, c'est ça. Ouais, ça semble trop facile, hein. Ça va être les vrais souvenirs. Donc ça, c'est sa sœur. Voilà. Ça, c'est sa sœur qui est douée. Ah, mais ça, c'est normal. C'est pas parce que tu t'entraînes autant que quelqu'un, même si c'est de ta famille, que tu es aussi fort. Ah, c'est notre rêve, c'est ça. Ah ouais, regardez. Les cheveux rouges. Donc elle, c'est Sumire. Sumire!
C'est ça. Et pour la sauver, elle est morte. C'est pour ça qu'elle a pété un câble et qu'elle a changé ses souvenirs. Et Maluki l'a aidé avec ça. Parce que si vous vous souvenez, elle nous l'a dit qu'elle voyait le docteur Maluki bien avant d'arriver là. Donc ça, c'est elle en fait. Et c'est Sumire. En fait, Kasumi, elle est morte. Kasumi? Non, c'est Sumire. Non. Yoshizawa Kasumi nante josei wa mou shinderu. On a compris, Akechi avait capté le truc aussi, ouais. C'est Sumire. Voilà, et c'est lui qui la perturbe à chaque fois là. Il joue un rôle dans l'histoire. Bah oui, c'est lui qui l'a suivi comme psy. Ouais, mais ça c'est de ta faute, Maluki, hein. Ah, là on va plus être pote, hein, parce que ça c'est de sa faute à lui, hein. C'était le psy, c'était à lui faire prendre conscience comme il le faut, et pas à la laisser dans son mensonge. Si, je pense que le père, il le sait, lui. なのにさっきの映像を見た時、彼女は自分を吉沢かすみだと名乗った。この状況でそんなおかしな発言をするんだ。一瞬、彼女がこのパレスの主かとも疑ったけど。かすみが死んだ後、囚人学園に入るより前に、私、マルキ先生にカウンセリングをしてもらったんです。 Avant d'arriver à Shujin, elle a vu le docteur Maluki. Il lui a tout expliqué et il l'a pas soigné comme il faut. Et du coup, il l'a encouragé à ça. Ah ouais, mais ça, c'est pas bien, hein. Il a modifié sa psyché pour qu'elle se voie comme Kasumi, qu'elle réalise son rêve. Alors ça, c'est pas bien, Maluki. Tu vas payer, hein. Et il avait déjà ce pouvoir à l'époque. Bah t'as pas fait ce qu'il fallait, Maluki, hein. Bah, je suis désolé, hein. Aucun médecin te dira que t'as fait ce qu'il fallait, hein. Et je suis même pas médecin, hein. Tu peux pas faire donner à quelqu'un l'illusion qu'il vit dans la vie de l'autre. C'est ridicule. Elle aurait été blessée, oui. Elle aurait eu des blessures émotionnelles, peut-être sur du très longtemps, peut-être à vie. Mais au moins, elle aurait vécu sa vie. Pas la vie d'une autre, dans une fausse vie.
スミレさんがカスミさんになることで罪の意識を忘れて、bien sûr que non. Elle ne peut pas avoir une vie saine en devenant quelqu'un d'autre. Faut arrêter les conneries, hein. Bien sûr que non. Non, pas du tout. Ouais. Ah, là, je suis d'accord. Akechi, pour une fois, la Akechi elle tape dans la main, là. Ça le fait pas, ça. Hein. Bah, je suis d'accord avec lui, Maluki. Hein. Parce que là, s'il fait ça avec elle, il va faire ça avec tout le monde. Hein. Je veux dire, regardez, Futaba qui croit voir sa mère, alors qu'elle est, elle est morte. Elle vit plus sa vie. On l'a libérée pour qu'elle s'ouvre enfin au, au monde réel, quelque part. À que sa mère soit morte, à ce que... Voilà. Et il a remis le paquet. C'est exactement ce que faisait le Saint Graal, en enfermant les gens, et en étant vu comme un dieu, et puis en prenant leur prière, leur énergie, leur, leur vie, quoi. Les gens n'avaient plus de vie, ils voulaient plus décider, plus de vie, ils laissaient tout ça au Saint Graal. Tous ceux qui étaient pris par le Saint Graal, quoi. C'est exactement la même chose. D'une autre tournure, mais c'est la même chose. Ah bah ça, on l'a vu, oui. Qui es-tu pour savoir de ce qui est souffrance et ce qui est juste ou pas juste ? Ouais, mais là, ça va pas aller. Bah, nous, on a sauvé l'humanité en éradiquant le côté perversion. Mais lui, il sauve rien du tout. Il refait exactement la même chose. Hein. Ouais. Mais la réalité n'est pas imparfaite. Elle, elle est ce qu'elle est parce qu'elle doit être comme ça. Non, il te l'a pas confié, tu te l'es approprié. Que devient l'ancienne réalité ? Bah, elle disparaît. C'est ça. Il va falloir le fighter. C'est exactement ça. Parce que quelque part, c'est lui qui décide de ce qui est bien pour nous. Sans souffrance, comment sait-on si l'on est en vie ? Bah, on ne peut pas, en fait, en partie, Héloïse, tout à fait. On ne peut pas. Et puis, de toute façon, la vie n'est qu'un équilibre de choses, hein. Comme tout. La tristesse, la joie, le bonheur, le malheur. Parce que si vous n'avez pas d'échelle, vous ne pouvez pas être heureux. Vous êtes heureux parce que vous avez été déjà malheureux dans votre vie. Quand vous n'avez jamais été malheureux, vous ne pouvez pas être heureux. Parce que c'est, tout est question d'échelle, toujours. La vie n'est que comparaison, hein, quelque part. Choix et comparaison. S'il n'y a pas de malheur, il n'y a pas de bonheur. S'il n'y a pas de souffrance, il n'y a pas de non-souffrance. Il n'y a qu'un état, un état neutre en fait. Et la neutralité, elle n'exprime rien. Elle n'a pas de sentiment, la neutralité. Elle est juste inerte. C'est révoltant. D'utiliser ton pouvoir comme ça, c'est révoltant, oui. Ouais, j'ai la même. Hein. Bah elle va dire oui parce qu'elle est prise comme ça. Bien sûr que non, elle va pas vouloir. Parce que tu l'as... Elle s'est propulsée comme ça pendant tellement longtemps. Elle a plus autre chose en tête, là. Bien sûr qu'elle va rester Kasumi. Et il va falloir que je la fight aussi. Ne te fais pas manipuler.
Bah voilà. Elle veut pas parce que il a joué psychologiquement, elle a été affaiblie psychologiquement hein, à cause de lui, et là elle peut plus. Bah tu le refuses, mais c'est quand même ce qui est arrivé, tu le changeras jamais. Même si tu l'oublies, ça ne changera jamais. Non, c'est la preuve que tu l'as perturbé, Maruki. C'est absolument pas la même chose. Et tu vas payer pour ça. Non, mais tu vas pas me sauver, je vais te défoncer. Ferme-la, tu m'énerves. Acting, les gars. Bien sûr que non. Non, je vais trouver mon bonheur. Alors, ça veut dire quoi, ça? Je vais trouver mon bonheur tout seul, quoi. Bah non, pas d'accord. Non, c'est clairement pas, non. S'il faut fighter, on fightera. Par contre, elle, voilà. Ça, c'est du bonheur, hein. Ben oui, hein. Lui laver le cerveau, regardez ça. Ça, c'est du bonheur, hein. C'est ça sa façon de l'aider? Non, on viendra la chercher, va mon gars. On va te défoncer. Oui, je rejette la réalité de ses rêves, oui, parce que tu lui as imposé. Ce n'est pas réel. Ah ouais. Je t'aimais bien un peu, de temps en temps, mais bon. Non. C'est pas sa propre volonté, tu viens de l'assommer là. Il n'y aura pas de terrain d'entente. Non mais là, il est en train de me faire, c'est une secte, hein. Il est recentré sur lui-même, là. Bah non, mais il va falloir que tu aies un moment, que tu évolues, parce que sinon la violence, elle va arriver vers toi. Je laisserai pas Sumire maintenant, du coup, partir comme ça, hein. Après, là, on va pas avoir le choix. Je pense que ça va se faire en plusieurs phases. Tu crois que ça me fait peur? Ouais, ça me fait pas peur. Ben, hein. On a vaincu plus fort que ça, mon ami. Bien sûr. Je t'ai éliminé une fois déjà, hein, Golo. Ne l'oublie pas, mon ami. Je pense qu'on va pas la libérer là tout de suite. Hein. Abîme tortueux. Qu'est-ce qu'il est? Je suis d'accord. Ok. J'ai le temps de jouer, non? Non, j'ai pas le temps. Si, j'ai le temps. Alors toi, t'as pas de protection, donc on peut pas faire grand chose de plus. Ne sachant pas ce qu'il fait, on va attaquer. Je peux l'affaiblir déjà. Je vais nous protéger déjà. Parce qu'on va pas le vaincre en une seule peignée. Ah, il a tous les éléments, j'ai l'impression. Ah non, peur! Tu peux pas avoir peur, quoi. Il va pas attaquer, du coup. Bon, qu'est-ce que je fais maintenant? Moi, on va tester. Tester un peu ce qu'il a. Il a pas tant de points de vie que ça. Hein. Donc il doit avoir quelque chose de plus. Il a pas tant de points de vie. Hein. Même pas mal, mon gars.
Ouais. Me fais pas regretter de t'avoir pris dans l'équipe, Loki. Je ne sais pas à quoi il peut être sensible. On est sous défense et t'es affaibli, mon gars, tu fais pas grand chose. Hein. Très honnêtement, tu fais pas grand chose. Ça, je pense que ça marchera pas vu qu'il utilise la mort. On va rester avec ça pour l'instant. Ok, il est à moitié de santé. Défense rétablie. Je vais me prolonger la défense. T'aurais pas dû me fighter, Maloki. Tu t'adresses au Tricaster, qui a battu le dieu ultime hein, de la psyché négative humaine. Par contre, j'ai plus beaucoup de PC. On va attaquer, on va voir. Bon, c'est tout aussi efficace. Même pas mal, mon gars. Ah, par contre, là. Altération supprimée. Merci, mon ami. Haha. Merci. Il peut pas attaquer. Hein. C'est pas grave, moi, je peux. C'est pas ce qu'il a de plus fort, hein, parce que sinon il nous vaincra pas. Hein. Très clairement. Hein. Je vais quand même garder des PC au cas où. Ah. Question santé, on tient largement le choc. Hein. Ah, c'est moi là qui souffre de... de non-action. Ah, j'attaque quand même, c'est bon. J'ai pas eu peur. Bon, il a rétabli son attaque. Ok. Mais je bloque. Ça me fait pas peur. Il est à l'affût. Bon, on va le finir. On le finit et puis comme ça, on est tranquille. Persona! Je l'ai pas terminé. Combien il lui reste de points de vie, là? Ah, puis j'ai peut-être raté mon attaque. On va se soigner. Ah, je peux pas, shit. Ah non! Oh la vache! Ouais, si tu te taisais, on combattrait plus vite, quoi. Ah yes! Improvisé mais sympa. Maloki, il va se barrer avec elle. Il en a d'autres en réserve, je suppose. Hein. On lâche là.
Tu lui fais déjà du mal. C'est ce qu'il comprend pas, hein. Un médecin qui comprend pas qu'il fait du mal. Le psychique, il a tué son psychique, hein. Il va falloir complètement lui faire oublier tout ça. Parce qu'il va falloir qu'elle oublie toutes ces conneries, qu'elle réaffronte la réalité en face, et la réalité va être très dure, après tout ce qu'il lui a mis dans la tête. Ouais, te défoncer. Bah tiens, une semaine, faut que j'attrape à des cafés, hein. Le 9. Et comment je fais entendre raison à mes amis? Ouais, on n'a pas le choix. Comment je vais expliquer à Futaba que sa mère elle est morte, que tout ça, c'est pas possible. Ils peuvent pas le croire. Ils sont complètement perturbés. Ouais, tu m'as piégé, ouais. Ah bah là il va à l'encontre de l'aider, d'aider les gens. Ouais, c'est ça. Bah, ses intentions, je pense qu'elles sont à la base positives, hein, aider les gens. Sauf que c'est pas possible. Là, il ne s'agit pas de soigner toutes les maladies. Et on serait plus malade et on mourrait de vieillesse, tous, tranquillement, sans avoir mal physiquement, pourquoi pas. On soignerait toutes les maladies. Oui, mais là, il ne change pas, il ne soigne pas une maladie. Il transforme la pensée des gens. Je veux dire, celui qui est maçon, il a envie de se voir Premier ministre, il devient Premier ministre. Celui qui veut aller dans l'espace, il va dans l'espace, mais il ne le vit pas, réellement, tout ça. C'est dans sa tête. Parce qu'elle n'est pas Kasumi, elle est Sumire. Les autres, donc ce qu'on comprend, la voit comme Sumire. Mais elle, quand on lui dit ça va Sumire, elle entend oui, ça va Kasumi. Et elle se voit Kasumi. C'est pas possible. Hein. Je m'inquiète pour Sumire. Il va falloir la sauver. Hein. Ouais. Il va falloir trouver de l'aide. Ouais. On a jusqu'au 9. Ouais, mais il faut en faire du café et tout ça. Hein. Puis comment je récupère mes potes, moi? Ok. Mais moi, je vais pas vivre dans cette réalité, non. La réalité est dure, mais... c'est pas la réalité. C'est de l'imaginaire, hein, quelque part. Sa famille la croit partie dans un camp de formation, bah voilà. Et tout est modifié, en fait. Toute la réalité n'existe plus, en fait, hein. Il modifie toute la réalité à sa guise. C'est flippant. Un pouvoir d'une telle ampleur, oui. Ouais, les valeureux voleurs fantômes n'ont pas échappé à sa emprise. Moi, j'y ai échappé. Parce que je suis le Telecasta. J'ai une personnalité particulière. Donc j'y ai échappé. Et Akechi qui a été un Telecaster, mais du côté négatif, quelque part, avec deux personas. Et... il y a échappé aussi. Ouais, comment les convaincre? Comment les convaincre que tout ça est faux? Alors que, comme il a dit Maluki, ça donne l'impression que le reste n'a jamais existé, en fait, et qu'ils sont dans la vraie vie. Compris.
qui se prend pour Morgana, mais c'est Mona, c'est Morgana. Sauf que Morgana, qui voulait être un humain, se voit comme un humain, et du coup les autres la voient comme un humain. Enfin, le voient comme un humain, puisque c'est un garçon finalement. C'est ça le truc, c'est qu'il transforme toute la réalité. Quand il change quelque chose pour quelqu'un, les autres automatiquement l'interprètent. Miss Anne et moi, on pourra. C'est la réalité dont rêvait Morgana, c'est ça. Es-tu heureux? Ouais, mais ça va pas le faire. Cette réalité te plaît? On s'est battu pour. Non, vous vous êtes laissé avoir. Réfléchis bien. Je sais que tu peux le faire. J'ai pu me rendre utile aux humains que j'admire tant. Rien n'aurait pu me faire plus plaisir. Oui, qu'est-ce que... Souviens-toi. Ah, c'est difficile parce qu'ils perturbent tellement la réalité qu'ils en ont plus souvenir réellement. On va sauvegarder les amis, je vais remplir ma bouteille parce que j'ai l'impression que ça va repartir en cacahuète là. A tout de suite. Au revoir les amis. J'essuie l'eau que j'ai mis sur ma lunette. Hop là. I'm back. Faut lui demander de se transformer en voiture. Lol. Allez, on a sauvé.
Parce que là, ça va être compliqué. Hein. Comment je vais aborder tout ça avec tout le monde, quoi? Bah, Loki a dit que vos amis en profitent déjà. J'aimerais mieux d'aller les voir. Tu m'étonnes. De toute façon, ça va être un peu scripté, là, j'imagine, hein, tout ça. Où sont les autres? On va les chercher en faisant un tour en ville. Sûrement. On a quelqu'un ici, déjà. À la gare. Je peux aller nulle part ailleurs, de toute façon, donc on va là. Ah non, c'est parce qu'il faut que je prenne le système à l'ancienne. Bien sûr qu'ils vont me donner l'impression d'aller bien et d'être content. Forcément, puisque leur réalité leur est toute rose. Mais elle n'existe pas, cette réalité. Non, c'est par là. Allez, je suis paumé, là. Faut que je remonte, hein. Non? Faut que je prenne le truc, là? Je suis paumé avec ces trucs-là, moi. Qu'est-ce que c'est, la cata, c'est tous ces plans, là? Ici, là? Non, c'est pas là, hein. Ici, là? Je suis à Shibuya là, ok, je remonte. Je peux aller voir Igor? On a Miss Anne. Ah bah Shio. Shio elle est là. Ça va? Bien sûr, je me souviens d'elle. Bah, quand même. Elle était douée au volet, oui, c'est vrai. Vous voyez, là, elle est complètement remise, naturelle, comme si elle avait jamais... Il s'était jamais rien passé, quoi. Bah tiens. Exactement, c'est ça. Elle est redevenue la super joueuse qu'elle était dans la réalité modifiée. Non, c'est pas la réalité dont elle rêvait. Non, je suis vraiment pas d'accord avec ça. C'est une fausse réalité et si elle en avait conscience, elle rêverait pas. Est-ce tout ce que tu souhaitais? Ce que j'ai souhaité. Je suppose qu'on pourrait dire ça. Tu préfères que ce soit comme ça, vraiment? Je me souviens quand on était deux au mur, je voulais mourir parce que je vous ai rencontré et... Continue de réfléchir. Ça y est, elle bascule. J'espère que je vais trouver les bonnes choses à dire à chacun, hein, parce que sinon, à bientôt, Shio. Très clairement, vous voyez, c'est parce que dans ce nom, elle rêve. Hein. Il va falloir avoir une personne par jour, alors, c'est ça? Et je peux même pas faire de café ou rien du tout. On va jamais y arriver. Hein. Est-ce vraiment ainsi que les choses devraient être? Non.
Et je peux même pas voir ma copine encore. C'est horrible, hein. Le jeu, il me laisse pas la voir, hein. Fifumi. Bah oui, il y en a plein que je suis pas allé voir, hein. Tu cherches quelqu'un? Haru, elle voulait ouvrir une boutique à Kichichochi. Oui, c'est vrai. Kichichochi. Je peux pas y aller comme ça, hein. Il faut que je revoyage à chaque fois, là. Ils auraient pu faire autre chose, là. Bon, j'imagine que pour le 3e et le 4e, ils vont nous alléger la process. Elle vit son rêve d'être pro, oui, mais son rêve, non. Parce que très clairement, hein, si vous vous souvenez, hein, elle a été jusqu'à se dénoncer. Elle a été jusqu'à se dénoncer, hein, pour ne pas vivre dans un rêve, justement. Donc non. Donc, c'est clairement pas son rêve, hein. Quelle coïncidence, hein. On faisait un peu de shopping. Bah c'est cool, ça. Papa recevra la distinction de superintendant. Génial. Ça va être la fête. Hein. Ton père? Tu n'as pas besoin d'élever la voix pour ça. Il a son équipe d'athlétisme, puisqu'il a dit qu'il allait voir ses potes d'athlétisme. Tu te souviens, papa t'a dit de faire comme si ce n'était rien. Faire à manger, Maï. Du macro frit. Oui, elles ont l'air contentes, mais c'est une fausse. Qu'est-ce qui m'amène? Je suis venu te voir. Pourquoi il y aurait besoin qu'il y ait un problème pour que je vienne te voir? On profite de la famille. Tu t'entends bien avec Sae? Bah oui, votre père vous soutient? Je sais même pas comment aborder les choses là. Il m'a élevé seul et... quelque chose ne va pas. Tu n'es pas loin. J'espère que ça marche, hein, ce que je fais. Je sais pas. Oui, profite de ta sœur pour l'instant. Mais t'inquiète, on se parle plus tard. Ouais. Tout ce que je peux faire, c'est attendre maintenant et voir ce qui se passera. C'est un par jour. Hein. On a bien compris le truc, hein. J'espère que j'ai pas raté Haru et sa boutique, du coup. C'est pas. Ma côté avait l'air contente. Ouais, mais c'est une fois. On va pas revenir là-dessus. Je lis plus parce que ça me... C'est l'acting, mais ça me chique à chaque fois. C'est pas une réalité. Ce ne sont que des mensonges. Vivre dans le mensonge, c'est pas vivre sa vie. Hein. Ah, il y en a plein. Hein. Allez, go. J'espère que je prends les bons dialogues, que ça marchera à chaque fois, hein, parce que sinon, je sais pas comment ça se passe. Je devrais demander s'il y a quelque chose de spécial. Yoji, tout va bien pour lui cette année. Je crois qu'il est parti courir autour du lycée. Ok.
Parce que je peux rien faire d'autre, hein. Shibuya, Shibuya de gozaimasu. Ouais, mais là où est-ce que je dois aller là? Parce que moi je suis paumé avec tous ces trucs là, là-haut. Oh, comment j'y vais? Gauche? Vous savez que je suis paumé moi. Les plans c'est pas pour moi là. Faites des jeux sans plan les gars. On clique sur un bouton puis on y arrive. Pensez au Ikki sauvage, hein. Il est pas bon avec les plans et tout ça là. Tiens, c'est Chio. Qu'est-ce qu'il me faut d'autre? Bonjour. Tu cherches quelque chose? C'est marrant qu'on se croise ici. J'ai seulement de récupérer ce dont j'ai besoin pour le club de volley. Je retourne à Shujin l'an prochain. J'ai essayé que j'allais préparer ça tout de suite. Ça a l'air sympa. Je pourrais passer du temps avec Anne. Mais oui, on sera amis, bien sûr. T'inquiète, hein. Il n'y a aucune raison qu'on ne le soit pas. Je vais où, là? Je suis pas bon endroit, du coup. Je suis paumé, les gars. Est-ce que la réalité, la vérité, ce n'est pas un mensonge sur lequel... Bah oui, peut-être. Non, Yuji, il est là. Ah non, ça, c'est le gars qui a des informations spéciales. Non, mais ils vont me faire voyager combien de temps là dans ces trucs? Oh la vache. Et il faut qu'ils me le simplifient, hein. Je vais pas y arriver. Hein. Passons à une autre zone. Ah bah dis donc. Oh là là, regardez, tout est transformé. Ouch. Shibuya. Non. Ici j'ai qui? J'ai Yuji. Futaba. Allez, Futaba. Elle est ouf là-bas, tout au bout. Est-ce que je vais prendre les bons trucs, hein, j'espère, hein. Regardez tous les gens là. Imaginez, hein, on aurait tous les meilleurs PC, on aurait les meilleurs graphismes, les meilleurs jeux, tout ce qu'on veut, des IA, des trucs qui fonctionnent, des jeux pas buggés, des trucs de dingue. Oula. Pour acheter un jeu vidéo. Mais, il y a une délicieuse odeur, édition limitée d'accessoires. C'est la faute du magasin. Vous croyez que les subventions supplémentaires... Accès aux capitaux supplémentaires refusés. Ma demande a été rejetée. Regardez qui voilà. Dépêche-toi de choisir, on va manger après. Merci, Sojiro. Sojiro, vous nous préparez un bon repas. Mais j'ai jamais dit ça. Andani. Salut, McFab, comment vas-tu? Non, c'est certainement pas la réalité dont elle rêvait. Elle a accepté la réalité et la mort de sa mère quand on l'a combattue. Très clairement. Et elle l'a dit, hein, quand elle est venue lui parler avant de partir. Elle était en espèce de fantôme et elle est venue lui parler. Elle a dit, on faut pas qu'on soit réunis là. Et elle est partie. Il se marie bien avec son café. Maman l'a aidé à perfectionner la recette. Ouais, je sais. Il y a quelque chose qui cloche. C'est comme dans un beau rêve, non? C'est un rêve? Non, mais... tu peux y arriver. Je t'attendrai, je sais pas ce que ça veut dire. Je me laisserai plus avoir par ces mensonges déformés. Ils ont l'air sérieux, Maï. J'espère qu'il faut pas dire je t'attendrai. Sinon je suis cuit, hein, je le dis jamais.
Bah à la prochaine. Non? S'il fallait dire je t'attendrai, on est cuit. On est cuit. De chez cuit, comme dirait Grobinet. Ça y est, je suis cuit. Non, c'est Titi qui dit ça. Chaque fois qu'il va se faire manger. Bon, une journée de plus. Encore une personne, deux personnes à voir. Et Louise, elle rigole, elle se dit, il prend pas les bons dialogues, il va se faire avoir. Il neige. On va aller voir les autres. Hein. S'il te plaît, le jeu, permets-moi d'aller directement ailleurs. Ça va, Mona? Ouais, allô. Non, c'est toi qui as grandi, vous voyez, elle commence à reprendre conscience. Je devais lever la tête avant, bah oui, t'étais un chat pour me parler. Elle commence, il commence à prendre conscience finalement que ça ne va pas. Ah non, mais c'est une blague quoi, ils peuvent pas me faire sortir là. Ouais, j'aime bien comme ça, matin. Non mais, laissez-moi sortir, je vais encore me paumer. Oh non, mais c'est pas vrai, là. Je sais même plus comment on y va là-bas. Là. C'est là sur le côté, c'est ça? Oh là là là, mais c'est là. Ouais, je pense. Attendez, c'est là. Hein? Et là. C'est bon là? Yes! Yusuke. Hello. Ça serait pour me permettre de faire autre chose, ou ça serait pour lui dire je t'attendrai quand t'auras repris tes esprits, non? Ça me fait peur, hein. Je sais pas. Non, je pense que là je peux rien faire d'autre. Je n'ai rien d'autre, hein. J'ai même plus Igor, hein. Et rien du tout. Hein. Et bah, ouais, il y a son père, bah oui. Gomula. Salut, allô. Qu'est-ce que tu fais de beau? Bonne nuit, Louise! Ciao, ciao, mon ami! C'est un ami à toi? Ah oui, monsieur Okumura, hein. On se connaît déjà, hein, mais bon. Un très bon ami du lycée. En plus, dans sa version pervertie, entre guillemets, de la réalité à Maluki. Il a changé la perception que tout le monde a du groupe, puisqu'on n'est plus un groupe soudé, qui on n'a pas sauvé le monde, du coup on n'est pas soudé comme on l'est de façon classique, c'est juste un bon ami, etc. Vous vous rendez compte? Ça a changé toute cette perception. Les voleurs fantômes n'ont jamais existé, tout ça n'a jamais existé, donc il leur a volé quelque part tout ça. Ah, je suis un bon ami, oui. C'est un chouette père, hein. Il t'encourage et tout. Qu'est-ce que tu veux faire après? Ton rêve s'est réalisé? C'est
c'est un peu exagéré. J'étais tellement occupé ces derniers temps que j'avais du mal à tout gérer, alors. C'est juste que... Je sais que tu vas... Je sais pas ce que ça veut dire, je t'attendrai. Je sais que tu vas t'en sortir. Je pense que ça va travailler et puis ils vont se remémorer les choses comme avec Moragana qui se dit « Tiens, je vais lever la tête pour te parler. » Je pense que ça va se faire petit à petit comme ça. On n'aura pas l'occasion de se parler, non, malheureusement. Parce que c'est pareil, là, dans la réalité. Ce que les adultes disent, là, ce que son père, il dit, il l'a jamais dit. Donc, quelque part, tout ça, c'est inventé. Il a, comme s'il avait mis une IA qui répond, en fait, à Haru, dans le corps du père, hein, dans une image de son père. Et simplement, il répond ce qu'elle a envie d'entendre. C'est que ça, quoi. C'est malheureux, mais c'est que ça. Je pense qu'on en a jusqu'au 8, et puis on y retourne après dedans, et puis on verra s'ils sont là ou pas. Je sais pas comment ça va se passer, on va voir. Et c'est ça le truc, hein. Le côté perversion, là, il est waouh. Est-ce que les voleurs fantômes... Si, je comprends bien. C'est son rêve, les voleurs fantômes. Non, là, c'est parce que je parle à ces gens-là, mais si je parlais à quelqu'un d'autre dans la rue... si je parlais à quelqu'un d'autre dans la rue, il aurait une vision très personnelle, comme eux l'ont, en fait. Parce que moi, je m'occupe de mes amis. Mais tous les gens, en fait, dans le monde entier, ont cette vision maintenant. Ah, Yoji, ouais, on va y aller. Est-ce que j'ai toujours... Non, rien, oublie. Tu vas sortir et voir les autres, pas vrai, sois prudent. Vous voyez, est-ce que j'ai toujours... Il commence à se remémorer des choses. Allez, on est reparti. De toute façon, j'ai aucun autre personnage, là. Il n'y a pas Hifumi, il n'y a pas Takemi, il n'y a personne d'autre. Donc là, il faut vraiment continuer à faire notre système. Là, c'est ici, ouais. Je passe au fond. Ben c'est ça, voilà. Lui, il aurait peut-être dit autre chose, mais finalement, il ne dit rien parce qu'il est mort, il n'existe plus. C'est ce que Haru veut entendre. Et il lui dit ce qu'il veut entendre, hein, ce qu'elle veut entendre. Mais, enfin, c'est le cas pour Shio, c'est le cas pour le père de Haru, c'est le cas aussi pour la mère de Futaba. C'est juste ce qu'ils auraient aimé entendre. Ce ne sont que des mensonges, hein. Clairement, hein. On va y voir Yuji. Puisque ça n'existe pas. C'est dans leur tête. Dans leur tête, il se passe tout ça, en fait. Et ça se projette sur les autres, et les autres le voient comme ça. Mais ils peuvent plus être physiquement là, ils sont morts. Hein. Par contre, vu qu'il modifie l'intégralité de toute la réalité, avec son pouvoir, les autres le voient comme s'il était encore vivant aussi. Parce que tous ceux qui le croisent, c'est une image qui est présente. Comment le dis-donc ? Il aime toujours ça, par contre, hein. Content de reprendre l'athlétisme. Oh, oh. Ça va ta jambe? Oh. Ma dernière blessure, c'est la faute de Kamoshida. Alors attends, quoi? Et y a pas un problème là?
On s'est rencontré comment? On s'est croisé devant la station près du lycée, puis continue à réfléchir, mec. Vous voyez, on n'est plus potes parce qu'avant, là, Ryuji, dans la réalité, il m'aurait pas lâché d'une semaine. Je veux dire, il faut que toujours je fasse tout avec lui et tout. Alors que là, ils ont chacun une vie. Et finalement, l'amitié qu'on a débloquée, tout ce qu'on a créé ensemble n'existe plus. Hein. Dans la réalité parfaite de Maluki, tout ça n'existe plus. On est des amis classiques. On est moins important que là son entraînement, vous voyez. Ce n'est plus la réalité. Hein. Tout ça, c'est... Allez, il nous reste encore Yusuke. On sera le 8 et le lendemain, c'est le 9. Voilà, on aura vu tout le monde, quoi. C'est ça. À part Sumire, qui du coup est captive. Allez, on y va. Et qu'est-ce qui va se passer quand on va rejeter sa réalité? Je le sens mal. Comment tu vas, toi? Oui, je cherche quelqu'un. Yusuke, ouais. Ueno. Il avait l'air ému de parler à une œuvre qu'il va enfin être reconnu. Je crois qu'il y a un truc qui cloche chez moi. Ou pas, je ne sais pas. Désolé, ouais, fais pas attention à moi. Ah, si, mon ami, si tu savais. Et le plus triste dans tout ça, le plus triste, c'est Morgana. Pourquoi? Parce que oui, Morgana, elle avait envie d'être un humain et d'être l'humain qu'elle pensait être. Je dis elle encore alors que c'est lui, mais c'est Morgana, bon, qu'elle pensait être. Mais le pire dans tout ça, c'est que finalement, son vrai bonheur, c'était pas de devenir humain, c'était d'aider l'humanité comme elle nous l'a dit hein, quand elle est disparue et quand on a affronté le boss. Hein, elle nous l'a dit, son plus grand plaisir, c'est d'avoir pu aider les humains qu'elle aime tant. C'est pas de devenir humain, c'était d'aider les humains qu'elle aime tant, enfin qu'il aime tant ou qu'elle aime tant. Donc, même là, son désir premier est perverti. Parce que très clairement, hein, on l'a très bien, enfin moi je l'ai très bien senti comme ça. Hein. Morgana, ce qui lui a vraiment donné le plaisir absolu, c'était ça, d'aider les humains, quand elle a compris qui elle était vraiment. Et qu'elle avait été créée pour ça, et elle a accompli sa tâche ultime. Elle était vraiment heureuse d'avoir aidé les humains qu'elle aime tant. Donc, c'est vraiment très triste pour Morgana, parce qu'elle est complètement elle-même pas dans sa vraie, son vrai plaisir, quelque part. Parler. Ah, oh, bah regardez qui est là comme tableau en plus. Oui. Quel bonheur de le voir ici. C'est vrai que ce serait rendre hommage au tableau. Hein. C'est une bonne personne. Ah oui, oui, non, c'est une très bonne personne. Hein. Un très bon chat. Mais le problème, c'est que Maluki, il lui a... Dans sa perversion, il lui a pas donné son vrai accomplissement de son bonheur. Qui n'était pas d'être un garçon, même s'il en a rêvé. C'était d'aider les gens qu'il aime tant. C'est ça, oui, on dit heureuse aussi, oui. C'était plus que son but, c'était vraiment ce qui... Bah, de toute façon, il était créé pour ça, et avec l'essence de la toute... positive attitude de l'humanité. Donc son vrai accomplissement, c'était vraiment d'aider les gens, comme il le dit. Donc c'est pas ça sa vraie réalité à lui. Donc Maluki s'est planté en plus. Alors, rien au monde ne pourrait me rendre plus heureux que je ne le suis en ce moment. C'est le soutien de qui? Mon maître Madarame, bien sûr. Là c'est pareil. Après tout ce qu'il a vécu, je ne pense pas que Madarame, enfin,
là, ça pervertit complètement la réalité, parce que quelque part, vous voyez la différence, c'est que son père, avec Haru par exemple, c'était quand même son père, il l'aimait, même s'il l'utilisait comme un objet. À la base, il l'avait aimé à un moment, c'est parce qu'il a été perverti. Alors que Madarame, il l'a jamais recueilli pour l'aimer, Yusuke. Il l'a dit, hein, clairement. Il l'a pris parce qu'il avait du talent, et qu'il s'est dit, il aura le talent de la mère qui est morte. Donc il l'a pris pour ça, hein. C'est tout. Donc là, c'est une perversion encore douteuse aussi. Hein. Vous voyez le truc ? Comme quoi, il peut pas y avoir de réalité absolue incroyable. Il faut avoir vécu autre chose. Il s'offrira le repas. Madarame, est-il un bon maître ? Pourrait-on la mettre ailleurs ? Où ça ? Où d'autres pourraient-ils ? Attends, je revois accroché au mur de Leblanc et je crois en toi, mon ami. Oui, c'est marrant qu'elle puisse voir sa réalité altérée. Il faut qu'ils se souviennent. Il faut qu'ils se souviennent tous parce que sinon on est mal. Et là c'est le 9. On va retourner voir. Ça va être Goro. Ouais. T'as trouvé quoi ? Bah ça on l'avait compris. Mais entre le fait de... Bah c'est ce que font finalement les psychiatres ou psychologues au travers de discussions, au travers de médicaments, au travers de traitements. Ils interviennent dans la projection psychique des personnes pour les aider à passer des caps douloureux, à passer des situations douloureuses, à passer des choses, mais ils ne transforment pas la réalité. Au contraire, le psychiatre ou le psychologue vont être là pour, quelque part, faire prendre conscience à la personne de ce qui s'est passé et de comment en tirer quelque chose de positif et ne pas l'oublier, mais travailler dessus pour continuer et continuer de façon plus positive. Alors que lui, il ne fait pas ça, lui, il le transforme. Oui, je le savais, oui. C'est ce qu'il m'a dit. Un projet dans un centre de recherche. Bah, c'est pas ça que Shido il avait ? Ah, recherche annulée. Quelque chose est arrivé ? Ouais. Il nous a peut-être menti, on ne sait pas tout, hein. On a peut-être stoppé ses recherches pour une raison précise, ouais. Qui réalise, hein? Ils sont vivants, oui, ils sont vivants sur le papier, ils sont pas vivants. Non, ils n'existent pas, hein. C'est impossible. Hein. Ils peuvent pas revenir à la vie. Ils sont vivants que dans la psyché commune, comme dans le métaverse, dans le memento. Hein. C'est juste ça. Hein. On n'est pas dans un univers parallèle. Hein. Ils sont vivants parce que chacun les voit vivants.
Ouais, les voleurs fantômes. Qu'est-il arrivé à Shido? Donc une trace de mon arrestation. Oui, enfin, je préfère avoir mon casier, avoir sauvé la demoiselle en détresse, que de ne pas avoir de casier et puis d'avoir une vie volée. Hein. Tu es fan? Bah moi aussi. Hein. Exactement. Et qu'est-ce qui nous dit que, comme on l'avait fait avec un certain autre jeu où j'avais pris le parti en fait de... Bah voilà, on avait un choix avec l'éradication du monde et des mondes et des peuples pour relancer un nouveau monde. Qu'est-ce qui nous dit que dans un an, il va pas vouloir torturer tout le monde, qu'il va pas vouloir changer ce qu'il veut comme il veut parce qu'il en a le pouvoir donc. YouTube te fait des soucis? Y'a que toi qui en a? Personne m'a alerté donc ça devrait ouais, venir de toi. C'est peut-être pour ça qu'Akechi est encore en vie. Parce qu'il est revenu en vie alors qu'il aurait dû être mort. Bah écoute, moi j'ai pas de soucis en tout cas pour l'instant, mais bon. Non, t'inquiète. Ah, puisses-tu conserver cet état d'esprit? Ouais. Sauf que j'ai pas de café, j'ai rien pour la frontière. On se voit demain. De toute façon, je peux rien faire d'autre, on peut rien faire d'autre. Oui, Morgana. À Odaiba avec Akechi. Réfléchis, Morgana. Parle-moi, mon ami. Vous voyez, il est pas heureux. Hein. Ça le rend pas heureux. Et ça le rend pas heureux, hein. Ça se voit bien. Bien sûr qu'on sauvegarde. Hein. On le voit bien que ça le rend pas heureux, là, de vivre tout ça. Inoue est sacrément fine. Bah, c'est un chat, hein. Bon. Et qu'est-ce qu'elle fait, Hifumi? Elle me connaît même plus, ça se trouve. Hein. T'y es? Bah, sûr que je suis venu. Hein. Alors, en tout cas, pour l'instant, c'est compliqué. Je suis sûr que ça va changer. J'espère. Ouais, je suis pas sûr qu'on soit aussi proche dans la réalité là. Non. Et tu te souviens, Akechi, tu l'as dit, c'est parce qu'on était en groupe qu'on t'a battu. Hein. Donc pense au groupe. On est fort quand même. Ah, on n'a pas le choix. Je pense qu'on va affronter. Déjà, je voudrais savoir c'est ce qu'il a fait de Sumire. Et avec les pouvoirs qu'il a, est-ce qu'il serait pas capable de distordre même le palais et je sais pas. Ou nous-mêmes. Ah, va te préparer. Je peux rien faire de plus, hein. T'es marrant, toi. J'ai pas de café, j'ai rien là, je peux rien faire de plus, mon ami. Hein. On n'a pas le choix que d'y aller. Hein. Je sais pas dans comment on va faire, mais. C'est le 9, donc c'est là où on doit y aller, non?
Ah oui, c'est aujourd'hui, hein. Un jour fatigué qui est accablé par Maruki. Donc, faut y aller. Donc, pas le choix. Attends. Non, non, on peut aller nulle part, hein, Garma. On peut aller nulle part. Hein. Y a pas de carte, y a rien. Je pense que je peux rien faire d'autre. Hein. On va partir comme ça, on verra bien. De toute façon, je pense que ça va se faire en plusieurs phases. Hein. Là, on va certainement le voir lui. Après, on va certainement revoir Sumire. Ça va fighter, on va repartir. Je sais pas. Est-ce qu'il va pas nous la lâcher comme ça hein. Est-ce que... Salut tout le monde. On a tous eu la même idée. お前も、あいつに話があるのか。話っつうか、ま、で、あいつはいねえの?昼頃明智に会うとか言って出かけた。宗次郎が話があるなら、しばらくここ使っていいって。そうか。 私さ、この前、あいつに言われたんだ。本当にこれでいいのか、初めは何言ってんのかわからなかったけど、だんだん苦しくなってきて。私も一緒。それからずっと心に何か引っかかってるっていうか。今の状況に不平や不満はない。むしろ幸福そのものだ。 Lui comprend jamais rien de ça. Merci à Yuji. Ouais. Ils sont revenus dans le même état où ils étaient avant, avant de s'éveiller. Pris par la peur et le joug de quelqu'un, sous le joug de quelqu'un. C'est ça. Pour une fois qu'un Yuji dit pas une connerie. Surtout toi, Morgana. Oh, ça vient de casser. Je crois qu'on les a réveillés. Alors, il va nous laisser entrer ou pas? Il devrait nous laisser entrer, je suppose, hein, il nous attend.
Non. Bah, il faut qu'elle soit devenue un chat, oui. Il le faut, hein. Parce que c'est comme ça qu'elle était heureuse, hein, finalement. Faut pas rêver, hein. Ouais, c'était pas mal la combi, ouais. Le spécial a été débloqué. On en a besoin. Ah, tu l'as vu? J'ai pas vu. Quand ça s'est cassé. Ah, d'accord. Ok. J'avais pas vu. D'accord. Ok, là. Je l'ai pas vu passer, ça, vous voyez. Pourtant, je regarde, hein, parce que je sais que tout est important. Mais bon. Respecter l'endroit indiqué. Oui, on va respecter l'endroit indiqué. Hein. Je suppose qu'il devrait pas normalement nous attaquer. Il nous attend. Non? Ça me semblerait logique qu'il nous attende. De façon plus ou moins courtoise. Il est avec le patient que vous recherchez. Le maître vous attend. Ah, voilà. Entrez par la porte qui se trouve à gauche. Oui, non, mais c'est ça, il nous attend, je veux dire. Il devrait pas nous défoncer. Enfin, sauf qu'on va lui dire, bon. L'ascenseur fait un peu camisole. Ouais, c'est pas faux. Non, il va nous attaquer ou pas? Ah, il nous attaque, mais il devrait pas nous attaquer, hein. Ah, c'est bien parce que c'est un palais quand même, quoi. Ah, pour moi, ça devrait pas, hein. Où est-ce qu'il faut que je passe, là? Je sais même pas. Faut que j'aille où c'est que lui, il vient, là. Je suis pas sûr, alors je fais quand même gaffe. Parce que bon. Je te pique ton truc, hein, quand même. Une pierre noire, c'est pas de la nignotte, hein. Faut aller où, là? Je pense pas qu'on se fasse attaquer, mais je suis pas sûr. Hein. On va déjà sauvegarder. Dans le couloir. Qu'est-ce que t'en penses? L'auditorium, oui. Ça va fighter, hein. On est plein pot, on est que deux, ça va être compliqué, hein. J'espère que nos amis vont venir et qu'on va pas être tout seul. Bah, pour l'instant, on n'est pas malvenu. Mais ça va le devenir, hein. Ah, l'auditorium. Je pense que là, on va avoir du big combat, hein. Se perdre dans un labyrinthe, lol. Ah. Ah, elle est là en plus. Sommelier. Bah on est venu et on n'a pas le choix. Qu'est-ce qui se passe avec Sumire? Bah non, tu veux pas lui faire de mal, mais c'est ce que tu fais sans le vouloir.
思い出してもらうよ。La suite de ses rêves. 自分が現実で望んでいた姿をね。Arrête, tu me dégoûtes. 望んでた姿ね。つまるとこ、自己満足のために他人を洗脳してるだけでしょう。Ah, pour sa satisfaction, je ne sais pas, mais il lave le cerveau des gens, oui. そう思われるのは覚悟の上だよ。けど、その自己満足で。Non, c'est pas le bonheur, donc non. Ben oui, tu l'as vu, hein. Non, pas du tout. Non, mon ami. Non. C'est bien pour ça que quand on a eu le mot qui a fait, enfin la petite discussion, ça fait tilt parce que quelque part ça ne va pas. Du coup, est-ce que c'est réel? Bien sûr que non. Notre mémoire sera altérée pour que ça puisse arriver, c'est inévitable, et on ne se souviendra même plus des voleurs fantômes, de nos pouvoirs, et du coup, il n'y aura plus que lui seul en maître de tout l'univers, hein, parce qu'il contrôlera tout. Et comme nous, on aura perdu notre capacité à le percevoir, ben voilà, ce sera terminé. Non, c'est pas le bonheur de Yoshizawa. Arrête de dire ça, je vais te taper. Je n'accepte pas cette réalité. Très clairement. Tant pis pour toi, Maluki. Non. 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 Ne nie pas la vérité. Parce que c'est pas la nature humaine, on ne te doit pas comme ça. Exactement, c'est pas à cause de Kasumi, c'est à cause de Sumire. Mais c'est pas pour ça qu'elle doit tourner le dos à ce qu'elle a fait. Ou pas fait. C'est comme ça. Elle va nous attaquer, nous. Non. C'est une blague. Si, je vais le faire pour ton ami, pour toi. Ne le fais pas, mon ami. Ouais, on n'a pas le choix. Il faut qu'elle survive, oui. C'est pour ton bien, Sumire. Ah la vache! Tu n'es pas son assassin. C'est un fait du hasard. C'est tout, elle t'a sauvé. Tu ne l'as pas tué, elle t'a sauvé. C'est tellement pas la même chose. Ça n'a tellement rien à voir, quoi. Je pense pas qu'elle fasse de feu, elle. Hein. Je vais déjà me barrer.
Tu vas être obligé de la taper, hein. Je veux pas la tuer, hein. Un crit. En plus, elle lâche rien, hein. Chance de... Ok. Là, j'attaque, hein, parce qu'elle me fait mal quand même. Pourquoi tu te la fiches à toi-même? Non, je vais te sauver. Parce qu'il faut que je te sauve. C'est pour ton bien, mon ami. Chance de critique. Qu'est-ce que je vais lui faire? Essayez ça. Elle va faire une charge. On va se protéger. Bon, hein? On va pas y passer deux heures. Je voulais pas... Ouch! Je voulais pas lui faire mal, mais bon, il faut y aller. Zoujo! Parce que il faut que tu te libères. T'as toujours eu confiance en moi. Faut que ça continue. Mais si, il faut. C'est ta vraie vie. Oui, c'est peut-être de ta faute parce que tu as fait une erreur de jugement, t'étais énervé et elle s'est sacrifiée pour toi. Mais c'est ta vie. Parce qu'il n'y a rien à comprendre, c'est ta vie. Lui, il va encore intervenir. C'est lui qui fout la merde, hein. Exactement. Voilà. C'est lui le problème. Regardez ça. Le problème, c'est lui, hein. Faut l'éliminer, hein. Ouch! Il a sorti sa persona. Et...
Il arrive à extraire sa persona. Ouais. Ah vache! Imaginez la puissance du bestiau quand même, hein. Non, t'es en train de la tuer, là, petit feu. Ah bah oui. Alors on est que deux, ça dégénère là, hein. Ah non, mais c'est Sandrion. D'accord, elle se soigne avec eux, d'accord, ok. Donc si je tue pas lui, c'est pas la peine. Ouais, donc faut tuer ce truc-là avant. Ah, j'aurais dû me protéger, bah oui. En plus, il a buff, ah vache. Je vais m'en prendre une bonne, là. Ça va, j'ai ma protection. Je vais nous buffer un coup, là. Allez, Zojo! Désolé, Sandrion, mais il va falloir que tu disparaisses. Je sais pas, on peut pas battre... Ah, d'accord. Il en fait combien, là Parce que là, c'est même pas drôle, quoi. Ok. Il est pas blessé, lui? Non, ça va. Ok. J'ai plus de PC, shit. Ah, mais là, le problème... C'est que les autres la soignent, quoi. Ça recommence comme hier. Ah mais il en met combien des bordels là? Non, arrête de nous mentir, Maloki. Tu racontes que des conneries. Arrête d'invoquer les autres là. Yes. Yuji. Coucou les amis. Vous êtes là. Oui, malheureusement. Ça a du sens, je vous expliquerai après les gars. Nuxo! Ok. Merci Ftaba. Ça te montre bien qu'il s'en fout de ta réalité pourrie. Mais clairement, hein. Ah, ils sont faibles au nucléaire, cool. J'ai besoin de Makoto. Elle est pas là, bien sûr.
100 points de vie, elle a perdu que ça. Oh la vache. Captain Kizo. Oh, je suis au taquet, là. Le physique, ça a l'air de bien marcher sur elle. Ouais, mais Maluki va encore faire une crasse, hein. Maluki va faire une crasse. Zolo! C'est plus Zolo d'ailleurs maintenant. Ah bah oui. Ouais, non mais là, on a même pas le temps de jouer quoi. Pas grave. Tiens. Persona! Qu'est-ce qui va se passer derrière? Elle herbe là. Lol. Elle absorbe. Bah oui, oui. Non, elle absorbe pas. Elle aurait dû. T'aurais dû absorber, mon ami. T'aurais dû absorber. Yes. Lui fait bien psychopathe, hein, taré. Akechi. Mais on peut pas tuer la persona. Passe. Maluki va nous faire une crasse. Hein. C'est pas possible que... Luvelop! Tu à fond, là. Qu'est-ce qui se passe, quoi? Libérez-la, quoi. Yoshizawa-san? マルキ先生なんですよね。そうだよ。君たちはなぜ？なんでだよ。なんで先生がパレスにいんだよ。セソンパレ。彼がパレスの主だからだよ。それとこの歪んだ現実を作った張本人。 君たちの幸せのためなんだ。幸せ？そうだ。僕は君たちの望みを叶えたかった。幸せってどういうことだよ。本当に。いや、なんでもない。君たちに。 僕の作る現実を否定する意思があるのは分かった。戦うのであれば、それに応じるよ。けど、まだ交渉の余地はあると思う。それに、今は戦いより吉沢さんの回復が先だろうから。また逃げる気ですか？今ここで戦うのもいいけど、君も消耗してるはずだよ。 吉沢さん！
3 février. On a un mois. Vous voyez, ça me fait penser au dieu d'hier. Hein. Si vous n'êtes pas d'accord avec mes idéaux à moi, de changer votre réalité, parce que là, on vient quand même tous de dire, non mais on n'en veut pas de votre bonheur absolu pour rien. Mais il dit, non c'est pas possible, vous vous trompez. Oui, c'est obligé, on se trompe. Hein. C'est comme quand on n'aime pas un jeu. Hein. Le gars qui aime le jeu, il se dit forcément que j'ai rien compris, je me trompe. Hein. Voilà. C'est pareil, il a beau entendre ça, bon, c'est quand même mon projet, vous allez mourir. Hein. Voilà. Il faut s'occuper de Yoshizawa là. Ouais. Exactement, si vous n'êtes pas avec moi, c'est que vous êtes contre moi. Hein. Vous voulez pas de ma réalité pourrie, donc... Là, je pense pas, non. Oui. Oui, il a fait tout ça. On t'aurait défoncé encore, Akechi. Il nous aide pour l'instant. On a besoin de l'un de l'autre, c'est autre chose. Est-ce que vous acceptez sa proposition ou pas ? Ouais, pour une fois, je suis d'accord là. On a besoin de toutes nos forces disponibles contre lui. Hein. Parce qu'il altère toute la réalité. Hein. Tu peux te lever ? Retourne au lycée, les gars. Yeah, okay.
Et là, elle est plus là, hein, sa mère. Parce que Sojiro, lui, il a rien fait. Il a rien fait. Mais comme elle est sortie de la réalité de l'esprit de Futaba, qu'elle ne la voit plus Futaba réelle, et ben du coup elle est plus vivante. Elle est plus là et Sojiro, il a perdu ce renvoi d'image quelque part qu'il avait à travers la vision de Futaba. Excusez-moi, j'ai coupé le dialogue. Pardon. Pas de problème, je prendrai soin d'elle. Oui. Parce que vu qu'elle n'est plus dans ta réalité à toi, il la perçoit plus. Ah oui, elle est revenue chat. Mais t'es un chat ? Ah, on dirait que bon, c'est pas le cas. C'est pas grave, t'as pas. C'est normal au départ. Et c'est là où elle est heureuse. Pas que sa mère soit pas avec elle, mais de l'avoir accepté et de passer à la suite et de revivre enfin une vie. J'ai repris mes esprits grâce à toi, tout va bien maintenant. C'est pas grave si c'est difficile. T'es sûr ? Te revoilà devenu un chat. T'étais vraiment pas mal, hein. Cette affaire avec Shizuri Maluki, on a que des problèmes en ce moment. Ouais. Rest.
Bah, la solution, c'est de le fighter. Hein. De toute façon, on n'a pas grande réflexion à avoir. Hein. Yes! Est-ce que je peux sortir? Non, bien sûr. Faut que j'appelle Kawakami. Un massage, s'il vous plaît. On va s'abandonner pour ce soir, les amis. Il est 23h30, mais la fatigue me rattrape. Et le week-end a été long, hein. Donc il est l'heure de se mettre au dodo. Merci beaucoup d'avoir été à mes côtés ce soir encore, hein, pour la suite de cette belle aventure. On est vraiment sur la fin du jeu, là. Hein. On a Sumire, je sais pas, qui va reprendre conscience. On a fighté Sandrion. Il va falloir que elle passe ou pas, je ne sais pas. Très clairement, est-ce qu'elle va s'en sortir ou pas? Est-ce qu'on va sauver Sumire? Je ne sais pas. En tout cas, c'est surprenant, mais on l'avait compris rapidement, hein, que c'était Baluki. À partir du moment où on a vu les paroles, Kasumi, qui était bizarre, elle a relevé, on l'a relevé. Et puis, bon, il s'est dévoilé assez rapidement. Hein. On a compris avec sa sœur ce qui s'était passé, pourquoi elle réagit comme ça. Donc, il va falloir maintenant attaquer ça. Et on va reprendre les cours. Donc, il va y avoir des cours, il va y avoir des cafés à refaire surtout, parce que je sens que les combats vont être durs. Des cafés, du curry, voir ma copine, enfin, plein de trucs, quoi. Merci beaucoup, en tout cas, les amis, d'avoir été à mes côtés. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, hein, et sourire vers le haut, si le live vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit. Ça poussera YouTube à partager mon contenu, enrichir la communauté. Bienvenue à tous les nouveaux. N'hésitez pas à souscrire également à la chaîne si vous le souhaitez, si vous le pouvez. Ce qui me permettra de continuer ces gameplays quotidiens sans publicité, pour votre plus grand confort à tous. On se retrouve demain midi, normalement demain midi, je suis de retour en live sur Palia. On va encore faire un live, je ne sais pas combien de temps on en fera. On continue nos quêtes tranquillement et puis on verra comment tout ça avance. Voilà, pour la suite. Et demain soir, on est de retour sur Persona 5. Je ne sais pas combien d'heures il reste, hein, sur Persona 5. Je suppose plus beaucoup, genre une dizaine ou une quinzaine d'heures. Ça va nous faire 3, 4 lives, histoire de finir cet arc narratif avec Maluki et puis Sumire. On verra. 25 jours, il nous reste là, mais ça va aller vite à la fin, parce qu'à la fin, c'est vraiment de la cinématique. Hein. Quand on va se libérer ou pas, donc on verra. Comment ça va se passer. Je me demande à quoi ressemble la persona de Maluki. Très honnêtement, un médecin, je sais pas, hein, parce qu'il se voit comme un... Je sais pas, un médecin tout puissant, quoi. Je sais pas ce que ça pourrait être. On verra bien. Bref. Merci beaucoup, en tout cas, les amis, hein, d'avoir été à mes côtés. Bonne nuit à vous. Dormez bien, pour ceux qui vont aller dormir, et puis travaillez bien pour les autres. Ciao, ciao.